déplorable que cette année, pour la grande fête nationale, qui est la fête de la Révolution française, qui est la fête de la création de la France moderne, qui marque liberté, égalité, fraternité, et bien que le maire d'Argenteuil ait décidé de supprimer le feu d'artifice. Sous prétexte d'économie, un feu d'artifice, c'est 25 000 euros. Ça fait longtemps que la société qui le fait a été commandée. Donc si la ville est correcte, elle a dû lui avoir payé la moitié. Et donc, à l'arrivée, pour peut-être une économie de 12 500 euros, eh bien, on supprime ce moment de rassemblement républicain pour presque 10 000 personnes. Franchement, je pense que dans les économies de la ville, dans les indemnités des élus de la majorité qui ont donné beaucoup de leçons de morale, eh bien, on pouvait trouver 12 500 euros pour faire un feu d'artifice. Donc je trouve ça dommage. La ville n'est pas pavoisée comme nous le faisions au drapeau de la République. Moi, je trouve ça dommage que la République ne soit pas mise en valeur aujourd'hui dans ce grand moment. Maintenant, il n'y a peut-être pas de surprise non plus. Peut-être que tout simplement, Georges Metron n'est peut-être pas un grand républicain. Il est tout simplement quelqu'un de la droite extrême qui n'est pas très sensible aux valeurs républicaines et il le démontre aujourd'hui. Je trouve ça triste. C'est un moment de tristesse pour moi.